Ouais, quand même. Oh, tu veux lire ou pas? Bah ouais, moi je suis up pour entraîner un run full fou, mais après, allez, c'est on pas part en run fou. Unholy knowledge. Ça va rapide. Ah, c'est encore le Manus Bestiarum. Ça a augmenté l'occultisme. Parfait. Bon, on part sur un. On part sur une run fou. Parfait. Enfin, run fou. Run full connaissance plutôt. Ouais, on va plonger dans l'univers de Cthulhu et essayer de le comprendre, quitte à perdre notre sainteté d'esprit. S'il les notait lui-même. Mais justement, c'est parce que j'ai la voix rauque. C'était un rôle. Télégramme, s'il te plaît. C'est bien sûr que je peux quitter. Ah oui, j'avoue, là, on Windows, voit les sur Windows. Je pensais pas qu'on les voyait. Windows. Et après, genre, du coup, dans. Non, tout en bas. T'inquiète. Bam, parfait. Tu as tout compris. Hop, voilà. Je vais même, si je peux me permettre. Tu peux aussi quitter tes sources. Si ah, voilà. Si jamais la madame d'hier veut te reparler. Normalement, c'est normal. C'est Darkwater, ok. Les baleines disparaissent. Ouais, en fait, donc c'est l'histoire de la baleine. Deviens un adepte. Tu verras que les tentacules domineront le monde. D'accord. C'est tout ce qu'il y avait dans cette salle? Il y avait de l'huile. Parfait. Écoute, go aller voir le monsieur. What happened here? Oh. Bah, attends, avant d'activer, on va voir ce qu'il y a dans la salle. Ouais. S'il y a quelque chose avant, quoi. Voilà. Mais putain, on s'en sort bien pour une fois qu'on s'en sort bien avec les livres de santé. Bah écoute, quand tu veux. Ah. Oh, occultisme. Ah, j'avoue, c'est... Tu peux pas encore, je crois. Ah, peut-être que oui. Non, tu peux? Je crois pas que tu puisses encore, mec. Après, t'as un petit biche à côté, là. Je suis obligé de construire. Ok. La madame d'hier. Il est beau ce tableau. Il est beau ce tableau. C'est un beau tableau. Ah ouais. Let's start over. Where did they break in from? Ah, en fait, ok. Ah oui, bah ils sont pas effectivement. Blood. Seems like amateur work. Lol. PTDR. Ils sont rentrés. Regarde. Ils vont faire Nya. Non, ça c'est le bord. Ah, par contre là. Investigons. Someone tall left this footprint. A man probably. Comment c'est qu'il était grand? Bah, la taille de pied. Tu peux être un hobbit au pire. Ah, mais les hobbits ça n'existe pas. Pas de faux. Ah, parfait. Ah, parfait. Burglar seems to be rather clumsy. C'est tout ce que t'as à dire, t'es sérieux? Mec, on vient de récupérer 15 milliards de livres là. Ouais, mais on est que niveau 2. Ça m'attriste, mais du coup, on aura quoi? On aura niveau 3? Ouais. Tu m'as loupé trop de livres. Tu m'attristes, mec. Je crois qu'on va rentrer dans... Attends. Regarde la chaise qui est derrière, qui est à côté de toi, devant toi là. T'as une chaise à droite. Mat. Non, à gauche, pardon. Ça. Genre, contre le mur. Ça? L'autre mur. Voilà, ça. Ah. C'est un truc que tu peux? Non, c'est juste le reflet. My bad. C'est le rideau le plus solide que j'ai jamais vu. C'est un étrange rideau. Donc il a piqué le coffre. Commence par le... What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? On dirait du caca sur le sol. Lucus, tu restes adulte. Il est parti sans avoir terminé son job parce qu'il y avait une protection aux cultistes. Contre les cultistes. Ouais. Oula, pourquoi c'est un bug? Pourquoi ça a bugué comme si j'étais dans l'observer là? Ouais, c'est ça. What the... Charles Hawkins? Ah, du coup, il a encore les tentacules et tout. What's happening to Hawkins? Lui. C'est Sherlock Holmes. Non, c'est pas Charles lui. T'es sûr? C'est possible en vrai. J'ai du mal à juger, mais j'assume que oui. C'est lui. Et ça, je crois que c'est Sarah. Ouais, elle c'est Sarah du coup. What sort of power did Sarah Hawkins painting? Pourquoi ils sont buggés comme si j'étais dans la fucking ouais, Matrix là? Ils auraient pu choisir un autre effet. Ce serait pour la libraire. Sarah Hawkins helped hide something in the safe. Une Necronomicon. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. C'est pas on peut rien, je crois, frère. Du coup, on va ouvrir le coffre. Tu veux ton téléphone? Est-ce que tu peux le mettre en sonnerie? En sonnerie? Ouais. Ou alors mieux le ramener ici si tu peux. Yes. Ça ne te dérange pas? Bien sûr. Merci beaucoup. Oh putain. Bah écoute, on a intérêt à faire. Ça a changé cadran, tourné. Ah oui d'accord, donc là je changeais cadran, regarde.
Attends, on va remonter le son. Non, sinon il est pas là. Tu kiffes les puzzles et les combis, hein? Y a pas de tic différent. Ah, mais dans ce cas, il faut. Du coup, on est forcément, on est obligé de trouver la solution. Regarde, on est à côté. Il y avait, on avait vu Drake. Ah, ok, d'accord. Voilà. On avait vu que lui, il était en train de. Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old téléphone? Il brûle hein, quand il charge. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est quand il charge ou quand il est en train de les tweets. Oh, ouais, quand il charge. Ouais. Non, 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 c'est vrai que l'enchaîne. Tout porte à croire. Ah, attends. Charles Hawkins qui a arraché à son dernier propriétaire antiquaire égyptien. Une clé qui repousse les forces des grands anciens. Pas mal ça. Il a piqué un truc, il fait ça. C'est pas mal ça. Les coupures de presse. Donc, Charles Hawkins, c'est plus le mec qui chercherait à maîtriser les pouvoirs des anciens en fait. Ouais, en fait, je crois qu'il veut l'utiliser pour lui-même. Ouais, voilà. Les coupures de presse relatant la même fait. La cité de Riyar. Il connaît la véritable utilisation de leur artefact. De Riyar. Par contre. Genre. C'est-à-dire que. La roquette, c'est bien. Il y avait genre pas de chiffres en fait. Sur quoi les trois? Non. Regarde dans le. Alors derrière le tableau. Voilà. Ah, mais attends, mais oui, mais c'est vrai que Sherlock Holmes, il avait caché un truc. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. La roulette russe, c'est bien, mais non. Oui, mais avec des rapagnons. Mais. Une page casse sans rien, on peut lire sur les points, trouve ses mémoires. Il fait nul doute que je rencontre de sérieux ennuis. Ah putain, mais oui, les instruments sont toujours. C'est capable, il est à fond dedans. De manière à ce qu'il soit récupéré et incinéré, l'urne funéraire doit être remise à ma chère mère. Hein, qui lit ces lignes et fait preuve d'une acuité aussi précise que la mienne peut espérer avoir accès à ma plus précieuse possession. Réside à l'intérieur de mon coffre et les indices de sa combinaison peuvent être trouvés dans trois cylindres, trois cachés là où la vie. Alors, les indices de sa combinaison peuvent être trouvés dans trois cylindres, tous cachés là où la vie et les études se croisent dans le monde grec. La vie et les études dans le monde grec, c'est la philosophie. C'est, non ou, c'est la philosophie. Donc c'est des thèmes de philosophie, j'imagine. Non, la vie et les études, ça peut être la médecine aussi, ça peut être beaucoup de choses. La vie et les études, bah, en fait, c'est un des deux, je pense. Mais ouais. Du coup, philosophie Freud. Ah oui, bah oui. On a déjà un livre de Freud. Ah bah oui, logique, Freud. Chaque cylindre est numéroté, même si, comme le dit Sylvain Rotter, pardon, si l'ordre est le pas philosophie, hein. Psychanalyse. Ah oui, pardon. Si l'ordre est le plaisir de la raison... Le désordre est le délice de l'imagination. Malgré ma préférence pour le chaos organisé, je dois admettre que la raison finit généralement par l'emporter. Ok. D'accord. Attends, dans attends. L'ordre. Si l'ordre... Attends. Alors, ah, merci mais Nibal. Attends. Désolé, hein, mais y a Nibal qui vient de sub, là. Hey Nibal. Tu en 18e mois de sub. Twitch Prime. Merci, Nibal. Nice. Il y a une noise, hein. Ah, tu le vois, tiens. GG. Les beats ne tombent toujours pas, Kama. En fait, tu l'as raté. Ah ouais? Parce qu'en fait, j'explique. Ah, il y a le beat qui tombe et après il y a le beat qui tombe. Okay. Et en fait, après il y a le message. My en fait, bad. C'est, ouais, c'est comme ça. Donc, il dit, en fait, c'est par rapport à l'ordre des chiffres, je pense. Ouais. Si l'ordre est le plaisir de la raison, le désordre est la délice de l'imagination. En effet, malgré ma préférence pour le chaos organisé, je dois admettre que la raison finit généralement par l'emporter. Donc, raison. Donc, dans l'ordre. Or, attends. Je comprends rien. On verra. C'est parfait, il est arrivé à un collègue qui m'a essayé de contenir mon ami et collègue Armitage de l'Académie. Il n'est pas seulement un vaste conseil de savoir, mais aussi une arme bien trop dangereuse pour qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Mais dis donc, vous serez capable de mesurer le danger que cela représente et de vous agir en fonction, vous serez incapable. Non, parce que Charles, ça n'a pas l'air d'être un. Okay. Ah, c'est Drake, ça, c'est pas Charles Hawkins. Ouais, non. Ah, bah tiens, putain, c'est tous les livres, quoi. Arkham Editions. Never heard of them. Ah, clique sur le bon, attends. Alors, attends, grec. Là où se mélangent la vie et les études. How many volumes are there in this collection? Azathoth et autres horreurs. Non. Maintenant, rendez-moi mon 1. Wow. Mais tu as ton 1, Hannibal. Moi, je le vois. Philosophie. Attends, Isis. Non, Blavatsky, c'est pas... non. Attends, relis vite fait, s'il te plaît, le texte. L'indice. How many volumes are there in this collection? Non, non, l'indice. Quel indice? Celui que t'as obtenu pour avoir les trucs, du coup. Genre... Celui qui était... Non, du coup, la feuille, au fait, où t'as lu, où on lisait les informations. C'est là, l'inventaire, voilà. Mon seul dernier... Alors, le message qui suit est une importance capitale.
Ah. Là où la vie et les études se croisent dans le monde grec. Trois cylindres, tous cachés dans la vie des études. Isis, mais c'est pas gentil ça. Mais non, mais c'est Isis, genre la déesse. Another volume by Arkham Editions. 1768. Arkham Editions. Les prophéties, non. Ça, c'est celle d'autres. Je t'en fous. How many volumes are there? Attends, quand même, quoi. Bon. Another volume by Arkham. Ah non, encore plus hermétique, en effet. En fait, faut savoir les auteurs, s'ils sont grecs ou pas. Siècle. Arkham Editions. Ah, peut-être que oui. William Sandbach. Non, c'est non, ça, non, c'est traduit, how many ça. Volumes are there in this collection? Folklore américain. Mais putain. Non, on va pas faire toute la bibliothèque comme ça. Bah, en fait, regarde la section qui est importante, quoi. Parce que t'as les titres de section. Ah. Cylinders that Drake tried to hide. C'est assez décevant. J'avoue qu'en effet. Bon, par contre, du coup, malheureusement, faut avoir le. Ah, du coup, attends. Charlie, t'es en arrière. One. Non. Ah, quoi que. Non, non. Par contre, non, pas du tout. Alors, regarde. One. Et one. Non, ok, c'est bon, j'ai compris la combinaison. Pas de nom. Je sais plus qu'en fait, chaque truc est numéroté. Donc, va dans la salle secondaire. D'accord. La salle secondaire. Là. Ouais. Ah non, c'est pas là qu'il y avait pas un. Things are not looking good. Il y avait pas un. Ah, j'ai vu ça. T'es sûr? Ouais. Ok. On n'est pas un truc pour écouter dans cette salle? Bah, on irait pas. Faut sortir. Faut retourner à la maison de la meuf avant de. Faut vraiment retourner à la maison de la meuf pour non, aller je pense genre. Pas, je pense pas. Non. Non, c'est bon. Ok. Bah, on fait comment? Regarde les cylindres. Alors, attends. Mais non. Clique sur le cylindre. Inspecter. Ah ok, donc en fait c'est vraiment le chiffre du cylindre. Attends, regarde, retourne vite fait le cylindre sur lui-même, genre pour le visage. C'est pas Edison ça. Bon. Ok, et y'a pas un lecteur de cylindre par ici? Bah, ça me choque quand même. Un phonographe, ouais. Un phonographe, excuse-moi. T'inquiète, je me rappelais pas comment ça s'appelait avant de le relire. Si quelqu'un sait où est-ce qu'il y a un phonographe... Sur la photo, non? Bon, en vrai, j'hésitais sur FPL Offrave, justement. Mais c'est possible. Mais du coup, pourquoi il mettrait FPL Offrave sur truc Edison, quoi? À part l'Easter Egg. Bah, pour l'Easter Egg. Ouais, mais moyen Easter Egg, quoi. Bon, écoute. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a. Ah, putain, il est là. Putain, on est aveugle. Bon, du coup, le 1, on le connaît. Ah non. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. D'accord. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Alors pour le Graal, attends. Rapport à. And these red drops, like precious stones, lie fixed. Le sang dans le Graal. Gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. Ah mais non, c'est une métaphore, putain. Ok, d'accord. En gros, il dit que il parle de l'objet qu'il a. Ouais. En fait, je crois que c'est une sorte d'objet de bijou. Ouais, il dit que c'est pas facile mais qu'il est prêt à payer le prix pour savoir le percer ses secrets, ouais. OK. Descends. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Rapport à Charles Hunkins qui essayait de manipuler l'énergie des anciens sans être un esclave? Je crois que c'est possiblement ça, ouais. Genre, je pense que t'es d'accord avec lui. Dear friend. I thank you again for the anthology of the works of Arkham Editions that you sent me. Ouais. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seems particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ok, donc volume 9. Alors, je sais où il est. Yes. C'est celui-là. Drake talked about a particular volume. Oui, c'est celui-là en fait. Ah non, oui, 9 en effet. Tu peux du coup tourner là, je pense. Oh, le cauchemardesque. 1908, Derby avait seulement 18 ans. Ok. Et quand tu le quittes, tu peux pas le choisir peut-être? C'est le tome 9. Peut-être que c'est genre le chiffre 9? 18 et 9. Genre 1, 8, 9.
1, 9, 8, 0. Non, parce que je pense que beaucoup de 9 et de... Je pense que chaque cylindre a... Je pense que chaque cylindre a un... J'avoue que ça fait beaucoup déjà en effet. Chaque cylindre ah, a un... Ah ouais, donc voilà. Donc on en a trouvé un. Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Le volume 9 était important. Il a dit ça. En fait, faut trouver rapport à. Ah, mais attends, non. En fait, ils ont chacun un chiffre. Et c'est celui-là. So these are the volumes that Drake was talking about. C'est un repas par le plateau chèque. Oui, en effet. Retourne au plateau de chèque. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular. Arrête de parler. Drake talked about a particular. Je crois qu'ils ont ils ont tous les. Tu veux faire quoi? Les échecs. Pourquoi tu veux les voir hein? Parce qu'en fait, il a parlé d'échecs à un moment. The queen has little protection. En fait, c'est, ça parle, en fait, les échecs représentent ce qui est pas dans Cylindre 2. Ouais, ouais. Ah, ce que j'ai vu. Trois parts du volume 9, ok. Mais attends, après ça, il y a tous les volumes là. Les trois parts du volume 9. Sans les cliquer, hein. De quoi? Compte-les, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y en a 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5... Il y en a 8, mec. En fait, si t'arrêtais de bouger, je pourrais les compter. Non, mais il y en a 8, je te le dis. Ok, ouais. So these are the volumes du coup, lequel n'est pas là? Lequel manque? Parce qu'il y a... Ah, volume 9. 9. What did Drake say about 4. This? Drake talked 8, about a particular... 8, so these 7, are the volumes 7, that Drake... What did Drake 6, say about this collection? Drake 5, talked 1, about a particular... So these 2, are the volumes that Drake 5, was... 5, what did Drake 3. Say about this collection? Il n'y a pas le cinquième. Drake talked cinquième, about ouais. a particular volume. Il manque le cinquième volume. Ok, bah le blanc. En fait. Ah, on peut pas interagir avec. Non. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Ouais, c'est resté pour répondre à la lune blanche, ok. On va essayer d'écouter. Très cool le. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. Oh, déjà. The guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secret. En fait, là, il a pas peur des monstres parce qu'il veut récupérer les secrets. Ça, c'est ok. Ah, mais le Graal, c'est la l'histoire. What did Drake say about this collection? Une émeute. Ah putain! Quoi? Enfin, je crois que les thèmes dont il parle à chaque fois, genre le Graal, ouais. le volume 9 et le 2, je sais plus. Les échecs. Ça a à voir avec ça, avec les thèmes de chaque livre. Bah. En fait, c'est maintenant que je me rends compte, genre. D'accord, c'est pas grave. Le truc, c'est que moi, je faisais pas les thèmes des livres. C'est pour ça que j'ai retourné l'écouter, c'est pour bien me remettre les thèmes en tête, pour essayer de trouver lesquels livres c'était, en fait. En fait, moi, j'ai pas les thèmes en tête, du coup. Non, c'est pas celui-là. Ok. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Non plus. Mais... c'est lequel c'est Drake celui-là. Talked about a particular attends, volume. Pourquoi il y a deux corpus hématicus? D'accord. Il y a genre celui-là et celui-là, c'est le même? Non, c'est juste, j'ai regardé celui-là. Okay. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Je crois que celui-là, c'est peut-être par des mères du peuple. Et ça, c'est la reine blanche. Tu penses que ça peut être la reine blanche? C'est l'indice que j'ai dans la tête. What did Drake say about this collection? On a 9. Non, légende urbaine, c'est pas ça non plus. Le Graal. X. Tiret X, faut voir, comme dit Lupus, les pions blancs, je pense. 9, le 1 parle d'un Graal. Le 1 parle d'un Graal. Ah bon? Sur un bol pourri. Le 1 parle d'un... Ah mais non, mais oui, mais là, ouais. Une coupe dorée sur un bol pourri, il doit y en avoir un quelque part. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. On n'a pas énormément d'infos, hein. C'est pas celui-là, en tout cas. Tu peux... Le 2, c'est que l'histoire de la Reine Blanche, hein. Il n'y a que ça. Le 2, ouais. Non mais en soi il dit qu'on est peu à la défendre, ouais. Ouais, qu'on est des pions sur l'échiquier des dieux. Drake say about this collection? Ça, roi, le légendaire roi Salomon, le Graal, je sais pas, le roi Arthur, c'est le seul lien que je vois. Le truc c'est que... Sinon pour la reine blanche, je vois que les personnages féminins, mais il y en a plusieurs, donc je sais pas. Salomon et Graal, j'ai du mal à... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de rapport, mais... Toulou les a eu. Bah oui, Toulou les a eu, forcément. Regarde vite fait l'échiquier. Peut-être qu'il y a un autre indice. L'échiquier. L'échiquier. Mais t'es à fond sur cet échiquier. Bah oui, en fait, c'est genre. Queen has little protection. Ah oui, j'ai envie de voir les pièces qui restent. Tout le monde. J'ai envie de voir les pièces et tout ça. Bah oui, c'est la merde, forcément. En fait, elle est entourée. Non, je pense pas que. Non, c'est juste pour montrer. Genre. Il y a deux chevaliers et une tour, en fait. Ouais, non, c'est chaud, putain. X3, 9, du coup.
3, pourquoi 3? 3. C'est quel le 3? Attends. Drake talked about a potential. These are the volumes that Drake was talking about in his message. Pourquoi vous pensez que le 3 c'est la reine blanche? Attends, on donne exprès des tas d'infos inutiles, les gamers. Je pense que l'histoire des livres, c'est juste pour les derniers chiffres du coffre 9. Il y a 3 autres en dehors de la reine, bande de nouilles sur l'échiquier. Bah oui, mais le truc, c'est que moi, ça m'a pas. Je crois pas que ce soit ça. Genre, ça me paraît un peu trop étrange quand même. Attends. Après, genre, si c'est X39, on peut forcer le truc, tu vois. Non, mais genre, François, c'est sur l'échiquier, du coup, vraiment physique. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark. Ok, d'accord, non, j'ai rien dit. Vous avez raison. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. Ouais, ok, d'accord. Non, ils ont raison. C'est trop. Ils ont raison. Et donc il reste 3 pièces qui défendent. Ouais, non, d'accord. 2 chevaliers, une tour. Ok, donc ok, c'est peut-être 3. Et le 1, c'était le Graal. Alors le Graal, les 8 joues. Ah, attends, il avait dit le sang sur l'or. Le non, sang sur c'est l'or. Des, c'est des bijoux de sang sur de bijoux rouges sur de l'or. Retourne vite fait à la porte une seconde. Pop, pop. Non, mais non, je pense pas. C'est évidemment du sang. Non, je pense c'est quand quelqu'un est rentré. Ouais. Le sang sur l'or. Le sang sur l'or. Attends, je vais voir s'il n'y a pas d'autres interactions. Non, c'est lieu. Retournons à la salle centrale. Enfin, ce sera dans cette salle-là, ouais. Et c'est quoi les interactions que tu peux le faire là? Le sang rien sur d'autre. L'or. Ouais, y'a pas grand-chose là. Hein. Le sang. Ah l'or. Y'a du sang là. Non, c'est pas du sang, c'est rouge, c'est écrit en rouge, désolé. Ah, j'avoue que là j'ai du mal. Hein. Mais après, en fait, tu peux toujours forcer au pire. Hein. Vers ces 9 possibilités. Non, j'ai envie de comprendre, j'aime pas forcer. Ouais. Non, il n'y a pas d'autres interactions. Parce que bon, les livres, ok, je veux bien, et... Bah ça, c'est pas du... Non, ça, c'est pas du... sang, ça. Ça, non, c'est bizarre. Pas du sang. C'est what du sang. The fuck is this? C'est bizarre. Alors, je crois qu'on va arrêter de réfléchir. Ils ont un peu mindfuck, le... Ouais. C'est bizarre, le shader est bizarre. Je en sais fait, pas. Tu peux lire les... Ouais, c'est le mystère du cylindre 1, mais c'est ça, mais... Un Graal, non? And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. Enchâssé dans l'or divin. The guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess. Ah non, être. Ok, d'accord. I am willing to pay to know its secret. Donc c'est le gars, enchâssé dans l'or. Ah mais putain! The chalice of knowledge. Alors, on a mis 3 heures à le trouver. On est des génies. Après ça, t'as vu, c'est Attends, hein, tiens. Non, mais en fait, retourne là, dans le... encore. Là. Là. Oui. Tu le vois ou pas? Ouais. Non. Ouais. Non, tu vois pas? Non, mais justement, la fissure, genre, tu peux pas interagir avec? Non. Par contre, il parle du motif des rubis et des saphirs. 1-2, bah c'est 1-2, quoi. Attends, les rubis et saphirs. Les rubis, c'est rouge, et saphirs, c'est bleu. Bleu, émeraude, c'est vert. Attends, 1, vas-y, compte. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ok. En fait, c'est les rouges, on s'en fout. 5, 3, 9. Ah, bah oui, c'est les rouges, ouais. 5, 3, 9. Ah, oui, bah putain, je suis con, il y a 5 rubis, c'est logique. 5, 3, 9, c'est parti. Putain, chaud. Ouais, il était dur en vrai. Merci, vous êtes tous des génies. Non, par contre, j'ai été très lent pour comprendre qu'il fallait compter les rubis. Ouais. Ça m'a mindfuck quand il a dit c'est le motif entre les rubis ah et oui, les oui, saphirs. Oui. J'étais déjà en train d'essayer de voir un chiffre. Clap, évidemment que c'était les rubis. Donc c'est vraiment un necronomicon. Clap, clap, clap. Tout le monde clap. Et oui. C'est quoi qu'il a griffé? Attendez. Voilà. Je crois qu'il l'avait déjà en fait. Non, tu sais. L'œil de Sauron, bonjour. Oui, j'avoue que c'est très l'œil de Sauron. Ou par contre. Ou tu la vois l'image de ce trailer? Ouais, j'avoue. Ah, c'était. En vrai, c'est super stylé, mais. What the fuck? Ah. Oh putain. Téléportation. Putain, ça fait mal aux yeux.
Oula, on retourne à la La librairie sans nom, Pierce a remonté la piste d'une tentative de cambriolage avorté. Il a découvert que Sherlock Holmes était à l'origine du méfait et a ouvert le coffre de librairie pour y découvrir ce que ce dernier, Sarah Hawkins, y avait caché. Un livre relié de peau humaine, le Necronomicon, semblait attirer le détective. Lorsqu'il l'a ouvert, sa conscience a été projetée dans un autre corps. Ça va, le spoiler? Ah, j'avoue que c'était très... Enfin, spoiler, c'est l'explication, en vrai. Genre, on aurait pu découvrir tout seul, mais... Non, je te parie que dans quelques secondes, on va comprendre. Ouais, voilà. Mais écoute, soit. C'est que ça a flanché. En parlant de manger. Ah, le moment de chargement est alors super long. Ouais. Au pire, tu veux te faire des tartines maintenant ou on prend les petits? Au pire, on se prend deux verres de lait, tu vois, et on trempe les. Non? Non, les verres de lait, j'ai zéro confiance. Donc attends, je vais rester invité pour le. Ah, mais genre un petit, tu vois. La dernière fois, on l'a renversé parce que c'était un gros. Ouais, un petit, un gros, ça fait. Enfin, regarde, les centres de gravité sont différents. Ouais, mais genre nos gros corps de grands années de merde, ils sont pas différents du tout. Mais là, c'est bon, il est coincé, il est. C'est bon. Attends. C'est un mec, on se met tout le temps des verres d'eau. J'avais pas encore mangé depuis tout à l'heure, justement à fond avec vous. Mais mange, Chibi! Est-ce que j'ai eu un message? Je crois pas. Ça a été déjà là. Ah bah oui, mais il fallait me le dire du coup. Mais en fait, je crois qu'il était genre, je crois que vous le savez, tu vois. Non, t'inquiète, t'inquiète. Si vous faites pause, j'en profite pour aller acheter des Twinkies. Des Twinkies! On va pas faire une pause. Kama va acheter un truc. Mais si tu as envie d'aller t'acheter tes Twinkies, va t'acheter tes Twinkies, y a pas de souci. Je vais rien acheter, moi. Tu nous mets dans ton téléphone. C'est ça. Par contre, je vais rien acheter. Déjà, je vous remercie. Oh, on est le docteur. Tu vois, le capitaine, il sait des trucs. Ah, mais c'est machine. Oh, donne-moi tes... Bonjour, machine. Ah, c'est une réponse. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Tu dois répondre. Alors, à propos des patients, est-ce que les patients, vous l'avez drogué? Vous l'avez drogué. Appelons le docteur Fuller. Non. À propos des patients, moi j'ai envie de dire. Avant de consulter quand même, pour savoir qui on... À qui. Mais non. Genre moi, entre consulter et propos, j'ai envie de... Ouais, à propos. What can you tell me about him? Oh, c'est mon fille. Highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he. En fait, c'est tous les gens qui sont manipulés par Cthulhu, quoi. Ouais. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why. Il y a Myers qui nous regarde dans un coin là. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? Donut qui trouve tout. Ah non, c'est Hannibal. After inhaling chemicals. Toi, Donut, il trouve 4 charmantes. Et ouais. Et lui, il trouve l'infirmière charmante. Alors Hannibal, on est bien les infirmières, hein? Un petit kiff comme ça. Donc lui, il a juste dit que c'était une intoxication. Ouais, ok. What are his symptoms? His temperature has been going down, his skin losing its color, his body rigid. I closed his eyes myself. Je trouvais personne charmant. Merde, c'est qui a dit que Kat était charmante? Attendez, il y a des preuves. C'est pas toi? You did well. Non mais Kizor, il va chercher dans les historiques, putain. Ah, c'est Hannibal. Qui a dit, oh, elle est charmante, Kat. Bah alors, Cannibal, on aime bien les jeunes femmes? Non, je rigole. C'est moi qui ai trouvé 4 charmantes, ouais. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? Ah, mais ok, on joue madame quand... Attends, on joue notre doctoresse quand nous, notre personnage était Ah, ok. Était dans en fait, on voit le passé. Possible, ouais. Oh, I see. Do you have other questions? J'en sais assez. That'll do for the time being. That'll do, Pig, that'll do. Ouais, il a trop le Cthulhu. C'est mieux les jeunes femmes que les jeunes filles. Bah écoute, ça dépend. Ah non, pas ausculter le patient. On va pas appeler le docteur. Bah non. Ok, c'est parti, mec. Oh putain, mec, bah, ça monte. Mais mec, c'est pas grave. On a monté comme on a pu. Mec, on a ceux de la meuf, ça a trouvé le coup. Tu vois, on a pas à Pierce. On a ceux de la meuf, ah, c'est oui, bon. Ah oui, ok, ok. 30-year-old subject. Severe hypothermia.
Erythematous papules around the eyes and eardrums. Santé. Necrosed palubral tissue. Lord, this smell. Quoi? Ouais, j'ai tout compris. Ouais, non, mais nécrosé quoi. Shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Slightly sticky. D'accord. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Okay, on s'en va. An opinion? Oui, évacuer l'hôpital. Merde. To treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Il est vraiment... Alors, déjà devant, il est vraiment des arrêts, on s'en fiche. Bah, c'est-à-dire que... Ouais, quelque chose dans le ventre, tu vois, c'est plus... Ça, c'est pas justifié. Genre, oh non, j'ai peur de pas comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez découvert? Il est déshydraté. Non, il est sévèrement déshydraté. Il faut pas déconner, il faut, voilà. Faut pas jouer avec ça. Mais Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, un médecin va pas être étonné d'un patient très déshydraté. L'état de ses membres m'inquiète, c'est assez fou. Donc ça peut être ça. Il a quelque chose dans le ventre, elle va tout de suite piger pourquoi on a du mal. C'est ça, ouais. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. Pardon, hein, je me replace juste. It's not like he could be pregnant. Mais on parle d'un parasite. This man has something inside that shouldn't be there. Merci pour le... LE! Cheers. Il faut l'opérer de toute urgence. Ils sont très forts. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm. Pour ce temps-là, le capitaine, il fait écoute, Tamir, tu la laisses en dehors de mon port, d'accord? Moi, j'en ai marre de tes conneries. Mais donc, mais écoutez-moi, capitaine, écoutez-moi, j'ai besoin de cette personne. S'il vous plaît, soyez raisonnable, je vous en supplie. Écoute, je t'ai dit, si t'amènes du poulpe dans mon port, il doit être frais. Frais, c'est pas compliqué, mon sang. Ça sent la pourriture à chaque fois que je rentre chez moi. Écoutez, mon direct fond des larmes. Ma femme, elle dit que ça ne sent l'oignon. Ah putain, je suis désolé. Je suis triste parce qu'on écoute même pas ce qu'ils disent. Ouais, mais en fait. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's je suis désolé, ça me fait juste trop marrer de les voir s'engueuler derrière. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. T'entends? And you won't believe me. Elle l'a perfusé pour l'hydrater, même au-delà de la limite, et ouais. Il est complètement déshydraté. Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. Oula, oula. Oula la la la. Il se transforme en profond en fait. Écoute, j'en ai marre. Écoute, quand je t'ai dit que tu pouvais aller voir ma femme pour boire un café, c'était pas pour aller rentrer dans sa chambre la nuit, hein. Maintenant j'en ai marre. Tu mais t'en vas, on va dresser un mur entre... C'est toi qui m'a invité, s'il vous plaît, comprenez mieux. Moi je ne sais qu'être gentil, s'il vous plaît. Elle t'a invité à boire un café. J'ai très bien entendu votre discussion parce que j'ai mis un micro dans sa chemise. The fuck. En 1924, le micro, c'est genre, tu vois, le gros truc comme ça. Un énorme micro. Bah, du coup, c'est des seules caresses, quoi. Yep. I almost don't believe it myself, but these symptoms. Elle le compare à un calamar. Ouais, bah oui, c'est ça. Il est en train de devenir un calamar. Ça. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. Ah non. Bien de notre monde, mais il vient de la zone 51. Il était ressorti de la zone 51 par les Naruto Runner. Transformation is killing him. His body simply can't cope. C'est intéressant ça. Oh non, il y aura rien. Oh non. Putain, j'en ai marre. J'aurais jamais dû coucher avec cette dame. Je passe une très mauvaise journée à cause des capitaines. How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients.
Des horreurs inexplicables. En fait, il essaie de faire évoluer l'homme. Oui. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. Alors, en français, ils ont dit cobaye, mais en anglais, il a dit cochon d'Inde. Ouais. Ces gens ne sont pas vos cochons d'Inde. Ah non, en fait, j'explique. Le mot guinea pig se traduit directement en cobaye. Ouais, je sais, mais ça vient de rat de, laboratoire, quoi. C'est la même chose. On utilise des cochons d'Inde fois. C'est parce que c'est des cochons d'Inde. Mais du coup, je préfère le terme anglais. Genre de dire que c'est des... Je sais pas. Bah en fait, un cobaye... Je crois qu'un cobaye, c'est aussi un petit animal comme ça, hein, se faire voir. En français. Je sais pas. J'avoue ne pas savoir. Ces symptômes sont inquiétants. Je n'ai jamais rien de semblable. Ou être transformé en monstre. Je pense qu'on va éviter de l'accuser tout vite. On fait quoi? Ces symptômes sont... Ouais, genre, on lui dit... Genre, ok, tu fais tes trucs, mais il va mourir, là. Ouais. These are alarming symptoms. Voilà. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? Il est plus proche de la méduse que d'un humain. His physical characteristics, they are more animal. Moi, personnellement, je me sens un peu plus méduse que autre chose. Fascinating. An animal, you say? You be more precise. Cephalopod, perhaps. This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, doctor. It's your thirst for knowledge, doctor. This man that have you overreacting. For this man and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. Il y a des mains très huilées. I will not let you do this. You disappoint me, Marie. Ah, elle va tellement mourir. I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Recht. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Pas qu'un peu qu'on a. Genre cet homme juste à côté de toi. Ah oui, non mais là par contre. Par contre, c'est du milieu, je suis pas d'accord. On fait rentrer l'infirmière dedans ou pas? Ou est-ce qu'on la protège? Bon après l'infirmière, elle a rien à voir avec ça quoi. Genre autant. Ah mais je suis sûr qu'on comprend mal le choix et que c'est méchant en fait. Ah j'avoue qu'en effet. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office. What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, doctor. You can count on me. I'll keep mum. Oula. On l'a amené au casse-pipe là. Ou alors, elle est en train de. Okay. Ou alors elle est en train de nous manipuler, elle va tout dire. Et on aurait jamais. On aurait dû dire rester en dehors de ça, mademoiselle. Bon, Wow. C'est pas regardé. Wesh. Je fais une vue très bizarre. Oh putain. Mesdames et messieurs, Kizor a été envahi par Toulou. Wesh. Ah, il y a un truc sur la table. Mais c'est pas nous en fait. Oh, des somnifères. Non, oh merde. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Et le doc on est fou mon pas un calamar, on se fait. Ah, le doc on est fou mon cher. Le doc adore les céphalopodes. Vous aimez les céphalopodes? Moi oui. Oula, bonjour. Ah mais attends, c'est pas un des mecs qu'on avait vu dans le... Merde. Mais non, pourquoi tu t'accroupis? Pour être discret. Ah, parce qu'ils rêvent tous de tout, quoi. Lumière. Non mais ça, c'est pour se cacher. Non, l'autre côté. This place draws you in and never lets you go. Waouh. Mais quel mois? Ah, c'est tombe.
Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Mais comment? Attends, y'a un problème. Mais pourquoi on les entend là? Pourquoi t'entends genre dans les toilettes des hommes? Regarde au-dessus de la porte là. Ah ouais, bah fourman. Ah, pas toilette, sale, les armoires sales de pour te laver. Ok. On parle mal de moi? Quand on va ça avec toi, il ferme la porte, il fait. En vrai, y'a de quoi avoir peur. Y'a de quoi avoir peur. Oh non! Oh, c'est dégueulasse. Oh non. Ah, mais en fait, regarde. Quoi? Genre, tu vois, y'a tout qui est à l'intérieur sauf la tête. Ouais. Et j'imagine qu'ils peuvent mettre de la vapeur dedans. Ah, je sais pas, il est où? Elle rend par où la vapeur? Par derrière? Ouais, peut-être, je sais pas. Mais c'est clairement. Tadam. Merci Shibito pour les sentiers. Shibito! C'est Sanders, le mec il est mort devant nous la dernière fois. Oh mec, pareil, regarde la chaleur. Ah ouais, en effet. Ah mais oui, mais c'est parce que t'as remarqué, ils ont tous une température corporelle qui est basse, donc ça les réchauffe. Ouais, ok. Vous aimez réchauffer les hommes dans leur vie. Attends, avant de lui parler, t'as un truc sur le côté d'elle où tu peux interagir. Où ça? Ou pas? Je croyais que t'as un truc où tu peux interagir. J'ai vu un truc où tu peux interagir à un moment. Ah voilà. Oula. It's temperamental, if I understand correctly. It's temperamental. Ah, mais oui, ok, c'est le tuyau. Oula. D'accord, faudra suivre le tuyau du coup. Mais pas maintenant. D'abord, tu parles à la madame. Ouais, écoute, c'est ton problème. Putain, quelle heure à la poursuite du tuyau, quoi. Attends, je disais. Tu parles avec qui? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Par contre, je sens mal pour elle, du coup. Bah, en vrai, pourquoi pas c'est pareil? Parce que c'est celle qui en occupe, j'imagine. Du coup, nous, c'est pas mal, quoi. Calm now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, doctor. Ah, gentil. Et toi, t'as appris ta leçon ou pas? Parce que tu sais tenir ta langue. Je crois qu'elle a plus de langue, frère. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. Okay. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be tried. That silly goose. Oh well, at least we won't have to clean for a while. D'ailleurs, du coup, jeu d'horreur, on jouera à Name Goose Game. Oui. It's a real show. Dr. Colden. Oh, déjà, tu me respectes? T'as un mec avec toi qui peut parler. Oui. Dr. Colden. Oui. Tu me trigger. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Ah, si tu veux faire une quête secondaire. Pardon. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming, but your mother is in good hands. I'll tend to her myself, and keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. Il y avait sa main dans sa jambe. Ouais, non, mais t'en fais pas, c'est normal.
C'est une des... On sait où la trouver ou pas? Derrière la porte, j'imagine. Genre, où c'est à côté? Non, ça c'est... Tu penses? Bah... Kitchen. Ah, peut-être pas. Vous êtes là, madame? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh, déjà... oh mon dieu! Non, bah, votre contre, maman c'est... a été transformée dans le marmiton. Oh mon dieu! Qu'est-ce maman qu'ils ont fait à cette pauvre dame? Bah, ça par contre, je vois pas en quoi c'est un souci. En passant sommeur, Kaiser se va à la cuisine. Bah oui. C'est Kaiser. C'est vraiment tout ce qu'il y a à voir. Voilà.